qui ne vit pas sous la mer. Mais il y a une mise à jour, bordel. Du coup, c'est parti, on la balance et on la découvre. Bon, après cette intro qui était méga rapide, nous allons découvrir la mise à jour du Yandere Simulator. Parce que oui, une mage est sortie aujourd'hui, un petit peu comme à l'ancienne, hein, la moitié du mois, le 15. Avec en plus de ça, pas mal de petites nouveautés qui sont super intéressantes. Nouveautés qu'on va bien évidemment découvrir ensemble. On va commencer par un truc assez simple. On peut maintenant s'éditer un pot-chan pour augmenter sa réputation. Donc on va utiliser la bonne vieille méthode. D'accord, très bien, j'ai fait un gros fail pour commencer la vidéo. Un plaisir. Bon, je voulais accéder au dev connu, mais je vais quand même vérifier une chose avant. Pour voir s'il y a vraiment l'option du coup chez un pot-chan pour pouvoir augmenter un petit peu sa réputation. Ah, Reveal réputation. Et là c'est pour augmenter ma réputation. Donc si j'ai deux culottes, et eh ben je peux tout simplement augmenter ma réputation. On va tester. Une petite photo de culotte et une deuxième. Ok, là c'est bon. J'ai deux culottes et hop, ouais, voilà, j'ai augmenté ma réputation grâce à ça. Donc si jamais on a une mauvaise réputation, on peut toujours photographier des culottes et demander à un pote chat d'augmenter notre réputation. Et ça, c'est la classe. Alors, deuxième nouveauté, c'est assez sympa. Le lundi, quand Kokona vient téléphoner, on peut écouter la conversation. Et ben maintenant, elle va réagir si elle nous voit à côté d'elle. Parce que c'est un petit peu normal, tu vois, c'est un manque de respect. Donc on va justement essayer de découvrir ça. Je vais avancer le temps parce qu'on est déjà à lundi, donc c'est parfait. Elle va bientôt arriver. Par contre, il y a des nouveaux trucs. Ça viendra là-dessus juste après. J'attends juste que Kokona vienne. Si elle veut bien bouger. Alors, il est 7h43 et toujours pas de Kokona en vue. Hein. Je sais pas si c'est un bug, mais pour l'instant, elle ne vient pas. J'avais oublié que Kokona était toujours en retard. Alors, voyons voir. Elle va appeler. Et là, il est mis maintenant Evil's Dropping. Donc, en gros, ça veut dire que on écoute quelqu'un. Il y aura ça à chaque fois qu'on écoute une conversation qui est censée être privée. Donc, si je viens près d'elle, comme ça, je suis devant, comme ça, et je l'écoute. Ah, c'est supposé être privé. Donc, la conversation est supposée être privée. Et en gros, elle se barre et elle raccroche directement. Et on l'entend plus parler en fait. Donc, si on se fait griller, bah, il n'y a plus moyen d'entendre la conversation. Et c'est génial. Ensuite, nous avons plein de nouveaux accessoires. Et ça commence par ce couloir avec des ornements, des coupes. Enfin, voilà, c'est super cool. Ça rajoute un petit peu de décor. C'est pas mal. Donc il y a des coupes, de quoi je ne sais pas, mais il y a des coupes. On va continuer sur notre lancée d'accessoires. L'endroit de l'incinérateur a été légèrement modifié à ce qu'il paraît. Ah bah oui, oui, ça se voit tout de suite, hein. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a une radio ici, des caisses en carton. Encore ici des caisses en carton. Ah, quoi ça? Ruban adhésif qui ne sert pour l'instant à rien. Voilà, il y en a un petit peu partout. Mais une radio, on peut activé, voilà, et on a une magnifique musique, hein. Franchement, un plaisir. Ok, très très bien. Apparemment, le club de gaming a lui aussi également changé, donc on va directement aller voir ça, on va faire ça. Ok, d'accord, oui, il y a effectivement des nouveautés en plus. On a déjà des affiches qui sont sur les murs. C'est un petit peu le but d'une affiche d'être accroché au mur. C'est sympa, en plus les images sont super jolies. Et ça c'est trop bien. On a carrément des petites figurines qui sont dans des vitrines. Elles sont super jolies. Ah ouais, ça c'est la classe. Honnêtement je suis trop fan là des petites figurines qu'il y a là. Et c'est, oui d'accord, c'est ça qui a été rajouté. En gros les affiches et les figurines. C'est génial, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Bon, c'est après avoir vu ces petites figurines super kawaii qu'on va pouvoir continuer un petit peu notre découverte, n'est-ce pas? Il y a un truc qui m'intrigue vraiment dans les nouveautés. Apparemment j'ai pas bien suivi, hein, mais il y aura un truc en rapport avec la danse. Je pense que c'est plus vers l'extérieur. Peut-être une piste de danse, je sais pas. Allez checker à l'intérieur du bâtiment de sport. Est-ce que ce serait là? Ouais, non, mais il y a un truc de danse, il faut qu'on trouve. 1 hour later. Eh, j'ai trouvé, c'est bon. Après quelques petites recherches, et bah c'est ici. Il y a un truc de danse qui a été rajouté. Voilà, mais qui pour l'instant ne sert à rien. On ne peut pas l'activer, on peut rien faire. Donc j'ai hâte de pouvoir faire fonctionner ce machin. Mais pour l'instant, bah voilà, il est là, mais il ne sert pas à grand chose. Mais il est quand même stylé. Bah les amis, c'est ici que s'achève cette mage. Alors j'ai essayé de trouver une des nouveautés. Apparemment il y a une nouvelle cassette pour écouter une nouvelle cassette. Mais je n'ai pas trouvé la cassette. J'ai cherché pendant 20 minutes, je n'ai pas trouvé la cassette, donc je sais pas où est-ce qu'elle est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez trouvée. Il y aura aussi une autre nouveauté. Apparemment, si quelqu'un est en train d'intimider un LS, tu mets ton téléphone dessus, bah il arrête son action un petit peu comme la conversation. Donc ça, voilà, pas besoin de vous le montrer, c'est à peu près pareil. Et c'est donc ici que va s'achever cette petite mage. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous savez toutes les nouveautés qu'il y a, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça de votre côté maintenant. Je compte sur vous bien évidemment pour faire exploser la part des likes. Ce serait cool d'avoir plus de 1000 likes sur cette mage. À vous abonner à la chaîne pour ceux qui l'auraient peut-être pas encore fait. Et sinon, bah, je pense que j'ai tout dit. C'était votre bon vieux Fritos pour cette découverte de mage. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.